à la flûte. Bonjour à tous. Sur cette vidéo, nous allons travailler Parfum de Paris. Je vais vous jouer le morceau en entier une fois. Et ensuite, nous allons nous arrêter sur les petits détails pour les travailler ensemble. Je vous conseille, comme d'habitude, mes élèves qui me connaissent, de solfier la partition. C'est très important de solfier la partition, car vous allez économiser énormément de temps en solfiant, en lisant les notes, en vérifiant le rythme, sans la flûte. Vous posez maintenant la flûte sur les côtés et nous allons solfier ensemble. Donc vous avez vu, il y a une première partie qui est tranquille. Il y a le tempo métronomique écrit et c'est 66, donc ce n'est pas très rapide, c'est assez calme. Donc on va prendre un tempo comme ça. 1, 2, 3, 4. Ré, mi, fa, ré, mi, ré, do, ré, mi, do, ré. Si, do, ré, si, do, si, la, si.
si, do, la, si. Si, la, sol, si, la. La, sol, fa, mi, sol, fa. Mi, ré, do, si, ré, sol, si, la, fa, la. Sol, mi, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, ré. Et je m'arrête là parce que juste après, ça change en 3-4. Vous pouvez évidemment battre avec les mains. Ici, faites très attention de ne pas accélérer votre tempo. Parce que ça a l'air assez simple, mais c'est un mouvement assez chanté. Donc le plus important, c'est de bien respecter les caractères calmes. Bien respecter la liaison. Et ensuite, ne pas oublier les altérations. Et bien respecter les noirs pointés, croches, et les blanches, qui sont les valeurs longues de cette partie. Nous passons à la valse. Je m'étais arrêtée au ré. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, ré. Attention les notes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ré, mi, fa, sol, la, si, la, sol, la, sol, fa, sol, fa, mi, ré, mi, ré, si, la, sol, la, si, ré, si. Si c'est un peu rapide, évidemment, vous pouvez le prendre un petit peu plus lentement. Je peux le faire un peu plus lentement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ré, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, ré, mi, ré, si, la, sol, la, si, ré, si. Mi, ré, si, la, si, ré, do, mi, do. Mi, ré, do, mi, sol, la, do, ré. Et si à cette vitesse, c'est encore un petit peu vite, travaillez-le lentement. Essayez de bien, bien lire vos notes, surtout quand il y en a beaucoup qui s'enchaînent, par exemple dans cette partie-là. Après, nous avons les triolets, donc à la première ligne de la troisième page. Donc maintenant, on passe de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est des deux croches. Et c'est maintenant des triolets. Donc triolet, triolet, triolet. Donc si ça, c'est notre pulsation, à partir de la mesure 74, c'est ré, sol, fa, sol, la, si, do, ré, do, ré, mi, fa, sol, si, ré, sol. Sur ma partition, j'ai marqué quelques indications. Donc les articulations avec la couleur verte, la pulsation avec orange, la respiration avec du jaune, et ensuite les altérations avec du rouge. Comme ça, vous pouvez également travailler les petits détails séparément. Par exemple, si vous voulez travailler ces triolets qui vont assez rapidement, mais que les notes s'en mêlent et les doigts s'en mêlent, vous pouvez enlever cette liaison et le travailler en détaché. Vous pouvez aussi le travailler avec des rythmes différents. Ces notes, vous pouvez poser la flûte sur l'épaule et regarder ce qui se passe avec vos doigts en disant les notes à voix haute. Sol, fa, sol, la, sol, la, si, la, si, do, si, do, ré, mi, ré, mi, fa, sol, si, ré, sol. Après, nous avons cette partie rapide qui commence à partir de la mesure 87. On va essayer un tout petit peu le début. Sol, mi, ré, do, ré. Sol, si, do, ré, mi, fa, ré, sol, fa.
Rythmiquement, à la mesure 126, vous avez les triolets sans les premiers temps. Donc ça va faire 1 sol la si do ré mi, 1 sol la si do ré mi. Ce sont les mêmes notes les deux fois, sauf qu'une fois c'est dans les graves et la deuxième fois dans les aigus. Et ensuite la mesure 132, 1 sol la si do do ré, 1 la sol fa mi mi ré. 1 sol la si do do ré si la sol fa mi ré do mi sol do. Et pour finir, nous avons la quatrième et dernière page. Et s'il y a une difficulté, peut-être, c'est le ré aigu qui a un tri pendant 4 mesures et les triolets qui descendent en gamme chromatique. Donc c'est les mesures 177 pour le ré avec les tri. Donc nous soufflons le ré aigu. Et pour les tri, nous allons bouger l'annulaire. Le doigt numéro 4 de la main gauche. Et ensuite à la mesure 184. C'est la gamme chromatique descendante à partir du la. Je suis placée par toutes les notes jusqu'au la grave. Encore une fois. Et ça c'est pareil, comme c'est lié, on peut, pour le travailler, enlever la liaison et le travailler en détaché. Et plus lentement. Et comme les triolets d'avant, pareil, nous pouvons faire des rythmes différents. Maintenant que vous avez toutes ces informations, à vous de jouer!